pas une vie personne, même si j'ai percé, j'en perce. Eh bien, salut tout le monde, c'est Axe Crosset. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour la suite de notre carrière en MX2 sur le jeu MXGP2. Donc, c'est parti, allez, à tout de suite, ciao! Eh bien voilà, c'est parti donc pour la suite de notre carrière, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est parti, hein. On verra sur quel circuit nous tombons. Donc voilà. Donc, mettez des commentaires pour la vidéo que j'ai mis juste avant. Parce qu'en fait, je prépare une FAQ. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une FAQ, c'est... Vous me posez plein de questions en fait, et puis j'y réponds en vidéo. Donc j'en ferai une vidéo. Donc posez-moi des questions sur la vidéo que j'ai fait juste avant, que j'ai tournée juste avant. Donc n'hésitez pas. Voilà. Celle voilà quoi. Où je prévois mon FAQ. Donc voilà. Allez-y. Moi, il faut un maximum de questions, bien sûr, pour que je fasse cette vidéo. Donc bref, c'est parti. Donc on se retrouve au circuit de Valkenschwart. Bref, voilà. Vous avez vu, hein. Donc c'est parti. Donc lancez la course. Donc c'est parti, parti. Je vois pas. Ah si, c'est bon, je vois c'est quel circuit. Ouais, normalement ça va sur celui-là. Il est pas très très compliqué. Donc je pense qu'on va gagner. Bon, je vais pas parler trop vite parce que on va peut-être tomber, je ne sais pas. On verra par la suite. Donc voilà. Vous avez vu sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos en IRL. Donc, désolé. Parce qu'en ce moment, je roule pas trop. Je vous avoue que j'ai pas trop les sous pour faire du roulage pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est plus du gaming. Si je ferais pas ces vidéos de gaming, il n'y aurait certainement pas de vidéos hein, sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça que je préfère faire des vidéos comme ça, hein. Mais ça va bientôt arriver, je pense. Je sais pas quand je vais rouler. Je pense que ce sera pour le stage de samedi, hein. Donc pas ce samedi là, mais le samedi juste après, où il y aura du roulage pour reprendre les cours. Donc voilà, donc on n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui, on va faire la petite carrière. Donc là, on a entamé notre petit tour de qualification. Donc voilà. Donc là, on est poli. Donc voilà, allez, je retouche juste après pour la fin du tour. Donc voilà, donc on va voir si on est resté en première position. Oula, on est déjà redescendu à la troisième place. C'est pas grave. Va-t-on rester sur cette troisième place? Parce que j'ai fait qu'un tour de qualification, hein, donc forcément. Et oui, donc nous partons sur la grille en troisième position. Donc c'est plutôt pas mal, ça. Je suis sur le podium. Donc ça va, quoi. J'ai envie de vous dire, ça va. Petit changement. Chargement un peu long, merci ma connexion, je surkiffe. Voilà, donc c'est parti. Rejoindre le circuit, donc pour la première course sur ce circuit. Donc c'est parti, le panneau 5 secondes, allez. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça va, on n'a pas un départ trop pourri. Juste là, le pif-paf va être tendu. Allez, lolshot, allez, les guidis! Oh là là, lolshot pour Erly. On était pas loin. Est-ce qu'on va créer une petite bataille? Ce serait bien. Avec Erlings. Oula, si je commence déjà à faire ça, on n'est pas bien parti. Alors. Là, on va être à l'intérieur sur Erlings, voilà. Ce petit dépassement plutôt propre. Oula.
grand large pour rentrer bien à l'intérieur. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, il y aura nos réseaux sociaux avec Jovis dans la description. Et sa chaîne, hein, d'ailleurs. Donc allez la voir, hein. N'hésitez pas, surtout, à aller voir sa chaîne. Et voilà. Encore une fois, excusez-moi pour les bruits de joystick. Je suis entièrement désolé. Donc j'espère que la qualité, ça va à peu près pour vous. Parce que voilà. Là ça va, hein. On met déjà 1 seconde 9. Airlinks, ouais ça va. Faut juste pas tomber. On va essayer de pousser un peu, hein, pour essayer d'échapper à Airlinks, hein. Comme ça, si on chute, de pouvoir essayer de repartir en première position. Donc voilà, déjà 3 secondes. Plutôt bien. J'en prends large pour entrer à l'intérieur. Excusez-moi pour le petit OK. Hop. Hop là, on absorbe bien la bosse. Ah, je suis concentré. Excusez-moi si je parle pas trop parce que j'essaie encore une fois de vous sortir un bon gameplay. Dites-moi si en commentaire aussi si ces vidéos de MXGP vous plaît. Parce que moi ça me plaît, donc faut que je vois si vous vous prenez plaisir à regarder mes vidéos. Donc vous me dites ça dans les commentaires. N'hésitez pas. Bon bah voilà, la première chute. Va-t-on se faire doubler? Mais non, on a de l'avance. Eh oui, un petit wheeling. Ça va. On a le temps. Je vous ferai le dernier tour en vue première personne. Parce que ça change. Ça change de cette vue. Ou sinon, je fais toute la deuxième manche avec la vue première personne. Là déjà, je fais un peu du caca. On fait quoi? On fait la... L'autre manche est... Non, non, ça va être trop long. Allez, hop. C'est parti. Pour ce tour, avec cette vue-là. C'est vrai qu'après, cette vue, ce qui est bien, c'est que ça nous lance à voir le regard, en fait. Du virage, là où on va aller, en fait. Donc c'est vrai que cette vue est plutôt pas mal aussi. Pour apprendre à jouer, je trouve que c'est une des vues les mieux conseillées, en fait. Hein. Pour commencer à jouer à ce jeu. Ça vous apprend à avoir le regard pour après avoir sur l'autre vue. Donc franchement, plutôt pas mal. Bon là, 2 secondes. Non, pardon, excusez-moi. Airlinks nous rattrape. Plutôt pas mal. Hein. Là, je vous l'avoue que c'est la première fois que je saute bien cette petite bosse là. Au début, je vous l'avoue. Donc moi j'ai vu ça, je sais pas si vous avez vu, mais que un nouveau jeu va sortir, MXGP 3. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner aussi en commentaire. Parce que je sais que déjà il va avoir du 2 temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qui va aussi avoir la pluie. Donc du coup bah les... Il y aura de la boue sur le circuit. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. La saison 2016, du coup, pour les pilotes, etc. Dites-moi si vous avez d'autres informations sur ce MXGP 3. En tout cas, moi, dès qu'il sort, je pense que je me l'achèterai. Hein. C'est un jeu, franchement, qui me donne envie. Donc voilà. Donc on finit la première manche en tête. Donc sur Airlinks qui me suivait avec Jordi Tixier.
Voilà, on marque 25 points. C'est plutôt correct. On peut le dire, c'est plutôt pas mal. Donc voilà quoi. On est plutôt bien. Allez, on se retrouve pour la deuxième manche, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième manche sur cette course en MX2. Oula. Donc c'est parti. Le deuxième départ, en espérant qu'on fasse mieux que tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oui, ça c'est bon ça. On devrait réaliser le all shot. Je parle trop vite. Bon bah voilà, on part bon dernier pour cette manche. Je l'avoue que ce virage... Oula, il y a de la chute là, trois pilotes. J'avoue que ce virage de départ, c'est pas mon kiff non plus. Mais bon, on va vite remonter. Hein. Enfin, j'espère en tout cas. Faut juste essayer de doubler Team Gager, c'est le plus important. C'est le pilote qui est deuxième, je crois, sur notre saison AMX2, qui est juste là, hein, on le voit, devant Tixier. Voilà. Deuxième chute, allez, c'est parti là. On recommence à chuter beaucoup de fois. Au moins, il y a de l'action dans ce Grand Prix. Enfin, Grand Prix. Je sais pas si on peut appeler ça un Grand Prix. C'est bon, voilà. Intérieur, saut de pilote. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là. Allez, Benoît Paturel, maintenant qu'il faut doubler. Qu'on ne voit pas souvent hein, sur la. Sur le podium. Oula, Guyot et Tonkov là qui me passe à l'intérieur. La question c'est va-t-on faire un bon résultat sur cette course? Eh oui. Là, par contre vous voyez leurs motos sont plus rapides que la mienne. Hein. Mais bon. C'est pas grave. On peut faire avec. Non. Oula, il y a une chute je crois là. Hein. Non? Oula par contre on était rapide là. Hein. Là, on a rattrapé beaucoup de. Oui, on a sauté la terre monde entière. Et là, on a fait un bon dépassement. Team Gager. Je suis bon dans ce secteur de la piste, dans le dernier secteur. Voilà, on est cinquième. Donc là, faut aller rattraper le groupe de tête. Donc là, il faut doubler Bernardini. Essayer de freiner plus tard que lui. Ici, prendre l'intérieur. Donc voilà. Donc il y a Paul Jonas Erling, et je vois pas c'est qui le premier. J'arrive pas à voir, je crois que c'est une Kawasaki. C'est Petrov. Voilà, donc Petrov qui est en tête pour l'instant de ce Grand Prix. Donc là on rattrape Paul Jonas. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, voilà, on va le prendre à l'intérieur ici. Allez, maintenant sur Petrov. C'était chaud, là. On va essayer de passer là. On va plus loin que là. Oula, on marche mieux que la KTM, déjà. C'est plutôt bien. Et voilà, sur Erling, ce qu'il fait. Donc voilà, on repasse en tête de ce Grand Prix. C'est plutôt pas mal. Voilà, là, on bloque pour pas qu'il nous passe. Là, on passe assez fort quand même ici. Tac. Oula, j'ai piqué de l'avant là. Alors, par contre, on passe plus la table d'arrivée. C'est dommage. Mais c'est pas grave. On met déjà une seconde. Ah, j'ai frère Links. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que Team Gager n'est pas sur le podium. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir marquer des points au championnat. Panneau MXGP. Non, vite. Bon, bah là, je sais pas si on va faire le podium. Hein. Enfin, si le podium peut-être. Mais je sais pas si on va gagner la première course.
La première course, la deuxième course, excusez-moi. Là, je vous l'avoue, je vais essayer de me concentrer. Voilà, ici, ça passe peut-être sur Jonas. Ah, il y a moyen hein, de faire premier. Ben oui, il y a moyen. Tu ne coûtes rien à rien, regardez. Hein, retirez ce que je viens de dire. Retirez. Bon, j'ai fait tomber Petrov. On reste sur notre troisième place. Là, il faut se dépêcher parce que là, il nous reste 2-3 virages avant la fin. Donc là, je vous l'avoue que je stresse un peu. Je sais pas si on va réussir à avoir la première place. Calme-toi, petite moto. Là, j'étais un peu en Y, si on peut dire ça. Petrov qui nous redouble. Bon, la première place, c'est foutu. Mais va-t-on avoir la deuxième ? La deuxième est là. Bon, on n'aura pas la première, mais on aura la deuxième place pour cette deuxième manche. C'est plutôt bien. Hein ? C'est plutôt pas mal. C'est correct. Donc on finit la deuxième sur cette manche. Bon, on est égalité avec Carling sur ce Grand Prix. Mais je reste tout le temps devant. Ah non, Jérémy Siwer est passé en deuxième position. Bon, on a assez de points d'avance quand même. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait une bonne course. C'était un peu technique, hein, mais... Donc pour le prochain GP, on se retrouvera en Espagne, à Talavera de la Reina. Donc, c'est un circuit assez technique. Donc, on verra ce que ça donne. Et ben voilà. Allez, à tout de suite, les pilotes. Gaz. Et bien voilà, vidéo terminée. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien ce que je fais. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Et puis lâche un gros commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, ben moi, j'espère que ça t'a plu. Et puis, ben moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!